Yo tout le monde, c'est Pav, j'espère que vous avez la forme, parce qu'on se retrouve pour un nouveau gameplay sur Animé toutes les 15 mois de bac, hein, les amis. Mais moi ça va pas trop, pourquoi? Parce que je crève de chaud, mon gars il fait 37 degrés s'il te plaît, c'est ouf. Mais bon après on est français, il fait froid, on se plaint, il fait chaud, on se plaint. Donc l'idéal c'est de fermer sa gueule, voilà. Bon en tout cas les amis, j'espère que ça biche. Bon là All-Star Game je vous l'ai pas mis pour le moment, parce que j'en étais très déçu, parce que j'avais eu beaucoup d'emmerdes. C'était le Forza Horizon 3, donc Twitch ne marchait pas, donc n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et me le dire, surtout dans les commentaires. Si vous souhaiteriez comme le voir, un petit montage de All-Star Game, ça pourrait être plutôt fort sympathique. Mais tout dépend de vous, parce que moi je ne suis pas forcément très très facile, pas trop satisfait. Donc là vous voyez un petit peu les leaders de la ligue, donc je suis premier devant James Harden avec 34,3 points par match, avec 1,3 points d'avance sur James Harden. En ce moment je dépote pas mal, 24 racines, je vais vous montrer un petit peu tout les amis. Au niveau du calendrier, je suis plutôt sur quelque chose de bien. Regardez le nombre de victoires consécutives, c'est sympa. Avec l'All-Star Game que j'ai perdu, voilà, je vous ai spammé, je vous ai spoilé, c'est comme ça, c'est la vie mon ami, c'est l'ami. Voilà, non, ce que je dis, rien d'air. Donc au niveau de mes attributs, je vous montre un peu, donc j'ai toujours une machine à marquer athlétique, tireur, marqueur, athlète pas mal. J'ai monté un petit peu mon niveau de meneur parce que je suis quand même très important maintenant dans l'équipe. Mais là j'économise pour augmenter mes deux derniers points d'athlète et continuer d'augmenter un petit peu les tireurs en suspension. Ensuite je passerai sur les meneurs et puis on ira petit à petit quoi. Mais je suis déjà en 86, ce qui est fort bien, hein, fort bien, très cher, hein, fort bien. Au niveau de mes insignes, je vous les montre, écran total, machine à tirer, micro-ondes, portée infinie, passeur le petit type, pro du pick and roll, season, coup fétiche, step backer, intercepteur, dunker de Gilles Espoir, finisseur de transition, finisseur le petit type. C'est plutôt pas mal, je commence à être vraiment bon en toute honnêteté, je suis plutôt satisfait dernièrement, donc c'est plutôt sympa. Et au niveau donc du classement de conférence, les amis, voilà, on est premier, on est passé, donc c'est dû aux dernières victoires, hein. On a quelques petites victoires consécutives, donc on a réussi à passer premier devant Oklahoma City. Ça serait pas mal, franchement ça serait pas mal de finir champion. De l'autre côté c'est Cleveland 51, donc faudrait, voilà, faut qu'on continue d'enchaîner les victoires comme ça, ce qui pourrait être particulièrement sympathique. Et je voulais vous montrer un dernier truc aussi les amis, participant All-Star, non c'était pas ça, récompense saison, est-ce que c'est récompense saison, ouais voilà. Alors vous pouvez voir que dernièrement c'est la bataille, hein. Au niveau des joueurs de l'année c'est un peu la bataille, parce que conférence ouest j'ai fini une, deux fois, 3 fois, 4 fois, et James Harden 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 4 fois, bon on a égalité. Mais en tout cas, faut que je le gratouille encore un petit peu quoi, il reste quelques semaines, à moi de gratouiller et de le baiser, voilà, c'est aussi simple que ça. En tout cas les potes, on se retrouve au début du match parce qu'il va, voilà, évidemment les amis, regardez, je vous ai réservé. Ah putain mais je bafouille sa mère, ça fait chier quoi. C'est la chaleur, voilà, c'est l'excuse du jour, c'est la chaleur. Bon, je vous ai réservé un petit match. Bon, on se retrouve pour le début du match contre Houston. Je vous aime, à tout de suite. Make the ground shake. Ladies and gentlemen, Mr. Zipperfoot. Oh, merde. The man who would be the king. Le voilà, l'homme qui fait des calives. I'm getting ready to take you down. J'adore cette petite rivalité avec James Harden. J'adore ça. Prépare ton cul, petit barbu. T'as peut-être une grosse barbe, mais moi, attention. Je pourrais t'en laisser quelques-uns, j'entre en guerre. Je pourrais t'en laisser quelques-uns, mon ami. Tu te fais. Tu commences. Bon, en vrai, on dit qu'il commence à rouiller, mais je sais même pas quel âge il a. Je crois qu'il est hyper jeune, quoi. What? Regardez le bug! James Harden là-bas, James Harden à côté. Y'a ton frère jumeau, mon gars! Y'a ton frère jumeau! Ah, c'est quoi? Regardez! Harden, mon gars! Y'a les deux frères, mon gars, putain, ça va être chaud, mon gars! Oh, meneur de jeu, James Harden en arrière, James Harden! Alors, c'est qui le papa? Oh, le bug de ouf, mon gars, ça fait plaisir! Mais ça fait pas plaisir, en tout cas, les mecs, c'était un petit bug assez sympathique, ça fait plaisir de voir que des fois, y'a des petits bugs. Deux barbus, et y'a deux bouffeurs de cul, donc ça risque d'être compliqué de façon complicative. Mais on joue au Wanda Center, les amis, et on a beaucoup de choses à se dire. Mais sur ce, je vais fermer un petit peu ma gueule, je vais parler un petit peu plus calmement, et c'est parti, les gars! Allez, en tout cas, je descends sur, évidemment, défense sur James Harden, mon objectif est de l'humilier, c'est aussi simple que ça, je veux lui faire du dunk sur la gueule, je veux vraiment faire du gros spectacle, je veux, voilà, je veux le bouffer, voilà, c'est aussi simple que ça. Je veux le bouffer, en plus de gagner évidemment contre les Rockets, je veux le bouffer. C'est mon objectif du jour, c'est l'objectif de ma vie en tant que basketteur arrière. Il est deuxième les gars, j'en ai rien à faire, faut que je me fasse respecter, regardez. Tu l'as pas vu cet écran, hein. Tu l'as pas vu cet écran, mon gars. Allez, boum.
On commence au calme, mais voilà, c'est du diesel mon pote, c'est du diesel, doucement mais sûrement mon ami. Allez, on se prépare, mais en tout cas mon objectif c'est de défendre sur lui, c'est ces petits coups de crosse là comme ça là, ouh là là, qu'est-ce que je les aime pas. Mais voilà, allez le rebond au calme, mais en tout cas voilà, on va se préparer, je vais filer à Nicolas Batou qui n'est plus voilà au Trailblazers maintenant, il est voilà au Pelicans, donc ça fait un petit peu chier, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et évidemment, il y en a un deuxième, voilà, je vais lui donner le ballon, ça fera un petit peu stylé, voilà, maintenant vous l'avez grillé. Voilà, LaMarcus Aldridge, petite passe décisive au calme, ça fait chier aussi, voilà. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a décidé, bah, il était agent libre. Les portants de Trailblazers lui ont fait une offre infusable, honnêtement, je crois que c'est 150 millions d'années sur 4 ans. Une somme astronomique, vraiment un très très gros contrat. Sachant que, voilà, dernièrement, les Trails font comme des belles saisons, donc ils arrivent à encaisser un petit peu. Mais du coup, il a refusé son offre, il veut aller voir ailleurs. Je crois que ça fait 7 ou 8 ans, en fait, depuis le début de sa carrière, LaMarcus, il est au Trail, donc il veut changer un peu d'air. Bon, dernièrement, il y a eu la draft, vous l'avez vu, les Lakers ont chopé un excellent meneur de jeu. Et évidemment, les Lakers ont un petit peu d'argent et souhaiteraient s'approprier les services de LaMarcus. Bon, honnêtement, pour les Trails, je sais pas ce qu'ils font. Bah, tout m'est parti. A priori, ce serait une équipe qui tournerait autour de Dunk. Et oui, mon gars, Dunk. Alors, mon gars, deux tirs de Dunk. C'est qui, papa? Allez, respecte-moi, mon gars. À genoux. Oh, calme, Pradé. Allez, hop, tu passeras pas, mon pote. Tu passeras pas. T'as mes chichos, les gars. Et l'interception. Alors, mon gars. Nico, vas-y. Non, oui, non. Oh là 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 là, c'est dommage. Non, c'est pas ça que je devais faire, mon ami, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave, on reprend son sang-froid. Voilà, bon, quand je dis ça, voilà, il le loupe et chope le rebond. Oh, calme. Allez, on prend notre temps. Vous avez vu, hein, je commence à être très, très, très important. Bien joué l'écran là-bas, même s'il a servi à rien, c'est pas grave. Hop, allez, bon, reviens là, hop, voilà, je te la file, au calme. Tu me la mets derrière, ok, bien joué, au calme. Tu m'as vu, au calme. Ok, hop, l'écran, bien joué, je tire et je le mets celui-là, au calme. Voilà. Alors, c'est qui le papa? Je vous ai dit les gars, mon objectif il est simple, c'est l'humilier James Harden, je veux l'humilier, c'est mon objectif. Donc humilier il veut dire beaucoup de dunks sur la gueule, et il veut dire beaucoup de points, et il veut dire victoire. La victoire c'est important quand même, parce que si je l'humilie, mais derrière je perds, ça le fait pas trop tu vois. Bon, actuellement on mène 9-4, c'est... Ouais, c'est juste le premier carton, donc voilà, je peux rien dire. Je peux absolument rien dire. Mais bon, voilà, vous avez dû être au courant. C'est, comment ça s'appelle déjà, Angelo Russell, le meneur de jeu explosif. Donc, ouais, si je dis pas de conneries, c'est ça. Hein, j'espère pas l'insulter, ne pas écorcher son nom. Angelo Russell. Il joue, il a été choisi en deuxième tour. En deuxième pick de draft par les Los Angeles Lakers. Donc, je pense que les Lakers vont avoir quand même une très très bonne équipe. Attention, attention. Alors mon gars, alors Howard, qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Tu as l'Howard du compte le plus pourrave du monde, regardez, il est comme ça en mode, j'ai peur maman, j'ai peur. Allez, 7-11 les amis, donc voilà, ils ont quand même une bonne équipe, et pour les Lakers, s'ils arrivent à choper les Marcus Aldridge, étant donné que je sais qu'il ne reviendra pas au portant de Trailblazers, et que je sais que les portants de Trailblazers maintenant chercheraient tout simplement à construire une équipe, à reconstruire une équipe autour de Damien Lillard, qui est un franchise player. Donc voilà, on va voir. Bon, pour ceux qui savent pas ce que veut dire franchise player, c'est un joueur un peu comme Kobe, voilà. Enfin, on va dire un peu, mais voilà, Kobe, on va dire que c'est la référence. C'est genre un joueur qui va passer sa carrière entière dans l'équipe. Donc du coup, on a énormément de respect pour ce joueur, une énorme confiance. Et c'est un joueur qui a une très très grosse parole et qui est très important pour l'équipe. Ce qui est le cas de Damien, qui est très très jeune. Mais on va voir, parce que LaMarcus, selon moi, elle était extrêmement importante et ça aurait pu être aussi un franchise player. Mais bon, voilà, c'est la vie, il a décidé de se barrer. D'un côté, on peut le comprendre, mais on va bien voir. Et actuellement, il est tenté, il y a Dallas qui lui propose un beau contrat. Il y a les Rockets, il y a Dallas, Memphis. Et si je dis pas conneries, bah, les Los Angeles Lakers. Le plus stratégique, je pense, ce serait les Lakers, qu'il aille aux Lakers, honnêtement. Que les Lakers retrouvent la bonne équipe de l'époque, franchement, enfin, leur bonne équipe, je veux dire. Dernièrement, faut pas se mentir, dernièrement, les Lakers, ça a chier. Faut pas se mentir. Mais dernièrement, ils ont quelques beaux petits picks de draft, hein, parce qu'ils ont quand même. Ils ont quand même eu Russell. Oh là là, mon dieu, le dunk. Mon dieu, c'est pas cela, bien. Wesh, poteau. Mais ils ont eu donc. Angel Russell. Mais ils ont eu quand même le petit de... Comment il s'appelle déjà? Merde. Ah merde, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Oh, ça c'est... Voilà. Ils ont eu Larry Nuance Junior, les amis. Là, en plus, j'ai dans mon équipe...
mon équipe Ultimate, dans le monde de mon équipe, les amis. Et ils ont eu le petit, d'ailleurs, qui avait chambré à l'époque Kobe. Donc, il s'est excusé et Kobe a accepté les excuses. Voilà, je sais, les amis, vous me dites, mais paf, il raconte sa vie, mais il sait tout, mon ami. Mais oui, Poto, la saison est terminée. Maintenant, c'est l'intersaison. Mais il se passe encore énormément de choses. Donc, en tout cas, on va bien voir ce qui se passe. Faut savoir que le premier pick de draft, ça a été pour les Wolves. Pour les Timberwolves, donc je pense qu'ils vont avoir aussi une très très bonne équipe. C'est clair et net, à part évidemment la petite épine qui va faire piquer un petit peu le pied sur Anthony Bennett, hein, évidemment, qui est très très mauvais. Parce que, faut dire, ils ont tous les derniers tours de draft. Toutes les dernières drafts, ils ont tous les premiers, donc voilà. Enfin bref, voilà, c'était le Timo. En tout cas, on mène 16-11, les amis, face à cette belle équipe des Houston Rockets. Pour le moment, je bouffe pas mal le cul à James Harden. Et plutôt, c'est sympa. Alain Drexler, mon gars. Alain Drexler, les amis. Mais déjà qu'il fait chaud, là. Mais j'ai encore plus chaud, les amis. Il va falloir que je me mette à poil. Mais non, poteau, c'est toi qui vas se mettre à poil et te mettre à genoux, mon ami. Parce que là, je vais te sodo. Allez, je vais te sodo. Mais voilà, c'est moi qui vais lui balancer des sodo dans la tronche. Voilà, hein. Pour ceux qui auraient l'esprit mal placé, attention, l'interception. Non, oh merde. Ah, mais là, ça craint, là, les gars. Eh bien, voilà. C'est dommage. Allez, 14-18, 4 points d'avance. Il reste 2 minutes dans ce premier quart-temps. Pour le moment, j'ai mis pas mal de points. Alors que je vois que ma Kinect, comment on l'a reconnu, ça va, j'ai la bite, mais 13 rebonds, 13 points, 4 rebonds, une passe décisive, 75% de précision tir, et une interception. Le coach me sort, bon, pour me reposer un peu, mais ça fait chier, putain, 22-22, les gars, et ils ont la possession. S'il met un tir à 3 points, sa mère, je te jure, il l'a mis ou pas? Je sais pas, j'ai pas l'impression. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Allez, 22-22, les amis, début du deuxième quart-temps. Pour le moment, ça se passe pas trop mal. Je sais pas ce qu'a fait James Harden pour le moment. Mais la pression sur les tireurs, pas de tir à 3 points, me dit notre joli coach. Mais en tout cas, on a tout à faire, en tout cas, empêcher les tirs extérieurs, et on va bien voir. Allez, c'est parti, les gars. Hop, voilà, il me met à droite. Toi, faut que je te mette dans le vent, mon gars. J'ai envie de t'humilier, mais c'est un truc de fou. Tu peux tirer là, mon ami. Non, hop, je t'ai vu là-bas, Mango. Allez, Mathieu, voilà. Alors là, mon gars, je vais te mettre dans un vent, mais phénoménal. Regarde ça. Non, oh, non. Oh. Non, mais sérieux, quoi, mais c'est à chaque fois que... Voilà, ça m'énerve, voilà, ça... Non. Allez, 24-22, les amis. Pour le moment, putain, une perte de balles, fait chier, mon gars. En plus, c'est James Harden qui me l'a pécho, quoi. Putain, sérieux. Bon, en même temps, lui, il m'a pécho une balle, mais moi, j'ai pécho sa meuf. Alors, s'il te plaît, le respect, où il est? À l'aise. Pouh, la Drexler encore, mon gars. Au calme, 15.4 rebonds, passe décisif à 77%. 24-24, les amis. Tu sais pas qui je suis, mon gars. Je suis chaud, gars. J'ai mis 15 points sur les 24 de mon équipe. Dont une passe décisive. Je suis chaud, les mecs. Je suis chaud, les potos. Allez, faut que j'essaie d'intercepter. Non, il va la mettre. Et là, il va tirer. Voilà, je le savais. Sur James Harden, je dois pas faire ça, les gars. Là, c'est une erreur de ma part. C'est vrai. Oui, 6 points, 3 rebonds. Putain, mais je te mets à la rue, mon petit James, là. Ah, tu commences à avoir des croûtes au bout des doigts, c'est ça? Allez, viens là, hop. Voilà, hop, je te mets dans le vent. Oh, quel manga. Je te le mets dans le vent. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. J'ai la faute. Bah là-bas, je devais faire un tir transformé en passe, il y avait McCollum qui était tout seul derrière. Donc, c'est dommage, bon, j'ai la faute, c'est pas grave. Mais bon, allez, 27 à 25, les amis, pour le... non, à 26, j'ai de la merde. Non ! C'est moi, il y en a qui a bugué, parce qu'il y avait que 2 points d'avance. Ah non, il a mis un 3 points, voilà. 27-26, les amis, 27-26. Allez, je suis sur Brewer, James Harden qui est sorti. C'est le moment pour moi encore de le surclasser, même si c'est pas très fair-play, tout ça, il est pas sur le terrain. Il peut... Comment tu veux qu'il... Voilà, qu'il rivalise avec moi ? S'il est même sorti par son coach. Ah mais s'il te plaît, quoi. Non mais allô, quoi. C'est comme si je te disais, je veux une tartine de Nutella, mais sans Nutella, quoi. Oh là là. Allez, 20... Oh mais fuck, il a le plus sain. En plus, c'est moi qui fais de la faute, quoi. Allez, 29-26. Est-ce qu'il va la mettre? Il l'a mis. Allez, 4 points de retard, les amis. Pour moi, c'est absolument rien. Moi, je suis à 17 points, 4 rebonds, une passe décisive. Ah, je me sens plutôt bien, hein. Franchement, mon bonhomme, il est plutôt bien. Il sort bien. Ah, tu m'as vu, mon petit Mathieu. Voilà, ok, mais on prend notre temps. Voilà, on prend notre temps. Prépare-toi, mon Guy Brewer. Tu vas en prendre plein le cul, mon gars. Alors, hop, voilà. Non, oui, je la récupère, mon gars. Oui, le dunk. Mais oui, mon gars, le dieu du dunk est avec moi ce soir. Le dieu du dunk, il est avec moi, les amis. Attends, je perds la balle, je la récupère et je dunk derrière. Non mais c'est ouais, un truc de fou, quoi, mon gars. À croire que, franchement, voilà c'est cool, quoi. C'est plutôt cool. Allez, en tout cas, lui, là, il a sa tête de cul, là. Faudrait qu'on l'empêche de tirer, les gars. Essayez de défendre un peu parce que il met des tirs faciles, c'est pas normal. McCollum, tu vas bouger ton petit cul et tu vas défendre. Hop, voilà, je te mets des petits trucs au calme. Je t'ai vu à droite, tu tires, tu marques. Au calme. Voilà, la petite passe, ça fait plaisir. 32-30, les amis.
On revient 32 à 30, on recolle le score. Après, bon, pour parler de basket, les amis, je pense aussi aux féminines. De l'équipe de France. Les braqueuses qui ont perdu en finale de Coupe d'Europe dimanche dernier. Ça fait chier, c'est des. Ouais, c'est, non, on va pas dire que c'est décevant parce qu'ils ont fait un très beau parcours. Mais je pense qu'ils méritaient mieux, je pense qu'ils pouvaient faire mieux. Sachant qu'ils ont fait un très gros match contre l'Espagne vendredi dernier. Ils ont perdu dimanche contre la Serbie. Ça fait chier, mais bon, c'est la vie, ils vont revenir plus fort. Maintenant, j'espère que les Bleus vont faire quelque chose de bien. Oh, bien joué ça. Non, merde, il a loupé. Maintenant, j'espère évidemment que l'équipe de France masculin va faire quelque chose de sympa là au niveau du basket. On va bien voir, surtout qu'on a quand même une belle équipe. Faut pas se mentir, les gars, on a une belle équipe. Wow ! Accroche pas, les gars. Oh, y'a faute là. Non, mais sérieux quoi. Oh ! Allez, moi je suis. Mais par contre, je suis sur Howard, c'est pas vraiment normal, les amis. Je suis sur Howard, c'est pas vraiment normal. Il va tirer. Comment tu veux que je chope le rebond ? Bon, y'en a pas, pas de définition. 7 points de retard, 11 points de quenelle. Ça fait plaisir. Bon, plutôt que de pleurer quand on se prend le quenelle, vaut mieux la prendre avec sourire. Ça limite les dégâts. Allez, hop, voilà, je te mets dans le vent, mon gars. Non, hop. Merde, hop, je te la mets derrière. Ah, ma Kloum Dan, dommage. Hop, je te mets dans le vent comme ça. Hop. Putain, mais ils défendent super bien sur moi, les gars. Ils défendent super bien, c'est un truc de fou. Tu m'as vu, gros? Oh non, oh là là, mais je gueule comme une poucave. Allez, 37-30, 19 points, 4 rebonds, 2 passes décisives. On se fait. Non, les gars, là, c'est pas normal. Là, c'est pas normal, les gars. On joue à domicile contre James Harden. On doit élever notre niveau de jeu. On joue le titre, les amis. Oui, l'interception, voilà. Jouez comme moi, quoi, les amis. Prenez exemple sur tonton. Allez, voilà, tu m'as vu derrière. Non, bien joué. Oh non. Ah, tu le mets. Voilà. Bon, ok. 37-32, les amis. Interception contre Monohan Pass. 2 interceptions pour ma part. Ouais, je suis chaud, les gars, quand même. Hein. Avouez, les amis, quand même. Ça fait un moment que j'avais pas fait d'idée sur le mode de ma carrière. Avouez, quand même, que mon bonhomme, il est chaud. Hein. Il est chaud du Zyag, il est chaud du trou de balle. Et il a envie, quoi. Il a envie de donner, quoi. Il est, voilà, il est au taquet, quoi. C'est paf, quoi. Ça me représente. RPZ, tu vois. RPZ pour ton trait Blazers. Au calme. Allez, moi, je continue de défendre sur Brewer. Allez, Jones, fais la passe. Jones, fais la passe, je t'ai dit. Jones. Oh. Jones. Ok, non, il veut pas, c'est pas grave. Bon, Nico défend sur lui. En espérant évidemment que Nicolas Batum au Hornets soit un petit peu meilleur. Parce que là, cette saison, il a fait sa pire saison tout simplement de sa carrière. Donc, si ça pouvait le relancer un petit peu en parlant de lui personnellement. Hein, parce que quand je dis que ça fait chier, c'est au niveau de l'équipe, c'est au niveau collectif. Ah, il est tout seul, mon gars. Allez, vas-y, mon gars. Non, mais comment tu peux louper ça? Mais comment tu peux louper ça, s'il te plaît, quoi? Fuck, man. Fuck, bitch. Allez, moi, je suis sur le petit Jones. Jones, non. Ah, merde. Hop, c'est baisé, ça. Il va la mettre. Ah, allez, Risa. Tu vas voir l'horizon, mon gars. Tu vas voir l'horizon. Non, ne bouge pas, mon ami. Hop, on se met au calme. Il reste 5 secondes. Il va shooter. Il m'a niqué. Ah, voilà, on l'a contré. C'est parfait. Voilà, le respect, mon gars. Mais où il est? Mais où es-tu, respect? Je ne te trouve plus. Je t'ai perdu. Allez, 39-32, les amis. Ah, mais non, mon coach, il me sort, sérieux, quoi. Non, tu t'es bien battu, mais mon gars, mais laisse-moi sur le terrain, mec. Mais non, c'est la mi-temps, les amis, on est mené 49 à 40. 9 points de retard, mais coach, laisse-moi sur le terrain, quoi. Vous comptez sur le coach pour encadrer les choses avant le troisième carton. Mais non, c'est plutôt sur moi qu'il faut compter, les amis. Il me met sur le terrain, je fais le boulot, puis basta, quoi. Allez, oui, en tout cas, ça m'étonnerait pas, je peux même l'y aider, non. Je peux même l'y aider, ça fait un petit peu suceur, quand même. Et c'est vraiment pas mon cas. Moi, je suis un rebelle, tu sais, hein. Moi, je suis un rebelle, mon gars. Bah, allez, on se retrouve pour la deuxième mi-temps. On a 9 points à rattraper. Ça va être compliqué, mais c'est carrément faisable. Hein. 3 petits tirs à 3 points et c'est bâclé. En tout cas, je redéfends sur le James Harden, les amis, sur le petit barbu bouffeur de cul. Et puis, voilà, quoi. Hein. Et puis, voilà. Bon, en tout cas, je parle un peu moins, parce qu'il y en a qui râlent comme quoi je parlerai un peu trop. Donc, voilà, je vais me mettre en position fœtale au bout du stade. Et puis, basta. Allez, hop, je te demande un écran, mon ami, je te demande un écran. Ah, il va mettre dans le jus. Voilà, Lopez, bien joué la passe, même si c'était vraiment de la merde. En fait, je dis bien joué pour l'encourager, mais en fait, c'est de la grosse merde qu'il me fait. Sérieux, il faut gagner. Ouais, voilà, John, c'est bien. En plus, il lève pas les bras, je te dis la dernière fois, quoi. Oh! Tu pues, quoi. Tu pues du cul. Ouais, c'était vraiment bidon, je sais. Allez, hop, je te fais un écran, mon petit. Je te fais un écran, voilà. Voilà, tu essaies de passer, tu fais la passe au calme. Non, mais mec, quoi. Non, mais arrêtez de donner le ballon, sérieux. Arrêtez de donner le ballon à Lopez, mon gars. Lui, c'est un joueur, j'aurais bien voulu qu'il parte, sans déconner. Il fait de la merde, mon gars. Dans ce match-là, il prend aucun rebond. Et en plus, il loupe des tirs faciles. Putain, 10 points de retard, mon gars. Qu'est-ce que tu dis, quoi? 19... Hein?
Voilà, 11 points de retard, les amis. 19 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions. On a du boulot, les gars. On a le temps encore de revenir, mais faut qu'on reste au contact. Là, on perd un peu contact. Putain, n'empêche, ce petit cross qu'il a mis. Hop, je suis tout seul, les gars. Faut que je le plante, celui-là. Faut que je le plante. Eh non, putain, je l'ai même loupé. Bon, le rebond, c'est parfait. Merci, Lamarcus. Merci de m'avoir sauvé la peau. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Allez, 51-42, 9 points de retard, les amis. Je sais, je dis beaucoup les amis, mais c'est parce que vous êtes mes amis, vu qu'on est des amis. On est tous amis, et du coup, ça fait que je dis beaucoup amis, voilà. Autant dire que, voilà, on est des amis proches maintenant. Allez, 6.3 sur 5, c'est un rebond pour Lamarcus. Voilà, qui est au rebond. Non, voilà, bien, non, mais ça... Et puis voilà, moi je défends comme une grosse brêle, quoi. Oh là là. Mais non. Moi, en fait, j'étais parti pour aller au rebond, les amis. Mais au final, on me l'a pécho. Du coup, voilà, déjà que c'est dur de pécho, alors en plus, c'est des ballons, je peux plus les prendre. Mais où est passé le respect? Mais où est passé le respect? Allez, attaque de panier sur Howard. Je cherche pas à tirer, les amis, c'est clair et net. Hop, voilà, hop, je suis tout seul, je le tire celui-là et je l'ai loupé. Non, mais sérieux, il défend trop bien sur moi, les gars. Et lui, il le loupe encore. Mon Dieu, ce match de merde que fait Lopez. Mon Dieu, ce match de merde que fait Lopez. Non, 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 non. Voilà, pas d'interception en fait. Moi je vais sur Popovic. Ouais, c'est Popovic. C'est un petit rookie qui n'existe évidemment pas. J'essaie d'intercepter, ça marche pas. Il essaie d'y aller, il va sur Ariza. Putain, mais les gars, faut défendre. Les gars, non. Ok, il met sur James Harden. James Harden, bloquez-le les gars. Il faut le bloquer. Voilà, bien joué mon pote. Allez, 54-42, 12 points de retard les gars. 12 fucking points de retard, tu m'as vu. Ah, je prends mon temps. Ma page c'est ouf les gars, vraiment c'est assez compliqué, j'ai beau lui faire des croches, j'y arrive pas. Voilà, je t'ai vu Batum, tu le plantes s'il te plaît, plante-le. Mais non, mais mon gars, faut les planter tes tirs quoi. Non mais si tout le monde loupe ses tirs, comment tu veux quoi, putain mais mec. Allez, James Harden, faut qu'il fasse de la merde, hop, je défends bien sur lui les gars, faut que je défende bien. Hop, il met son John sur Ariza. Les gars, mais c'est de la merde quoi, ils défendent trop bien. On fait un troisième carton, nul à chier les potes. C'est incroyable, et en plus, il le... Oh là 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 là, j'ai le contre, c'est bon. Allez. Prenez note. Ça me convient pas, les gars. Mon équipe, elle est à la rue. Mon équipe, enfin, c'est surtout les joueurs intérieurs qui sont carrément à la rue. Petit ailier, ailier fort et pivot, franchement, là. Pff. Ça chie dans le pâté, les gars. Ça chie dans le pâté, c'est moi qui le dis. 56 à 42, quoi. Ça chie dans le pâté. Comme par hasard, je fais je sais pas combien de victoires consécutives. Et il faut, les amis, il faut que je tourne contre les Houston Rockets pour que ça marche pas. C'est dingue, quoi, hein. Pourquoi tu fais ce tir forcé, Lopez? Tu me l'armes derrière, je tire à 3 points, mon ami. Mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Mais faut pas sortir la veille, quoi. Sérieux, hop, j'essaie de... Voilà, et puis moi, je fais la même chose. Oh là 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 là, mais on est à la rue complète, les gars. C'est... Oh là, c'est limite... C'est frustrant, les amis. C'est frustrant, les amis, c'est frustrant. Allez, donne-moi le ballon, je vais faire le boulot, les gars. Je vais faire le boulot. Voilà, tu peux compter sur moi. Voilà, hop, allez, on met l'attaque au dos au panier, faut que je porte, mon gars. Voilà. Allez, 58-44, 14 points de retard, les amis. Faut qu'on revienne. 21 points pour moi. Ah, c'est pas possible. Faut que, ouais, le coach, il faut pas qu'il me sorte du 4ème carton. Il va falloir qu'on explose les scores au 4ème carton. Parce que le 3ème carton qu'on fait, c'est. Oh, oh là là. C'est. C'est incroyablement nul à chier, mes amis. Incroyablement nul à chier. Faut qu'on mette un 8-7, ouais, 8-10-0, ça pourrait être sympa. On est déjà au 2 pour le moment. Faut qu'on continue comme ça, les amis. Allez, hop, faut que j'aille t'intercepter. Non, ça marche pas. Les gars, faut défendre. Oh, la Marcus, qu'as-tu fait, mon pote? Mais défendez, les gars. Mais non, mais c'est quoi cette défense de merde? Dis le plus ça encore. Oh là 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 là. Mais c'est quoi cette défense? Et pourquoi c'est la Marcus qui finit sur Povic, les amis? Pourquoi c'est pas lui de défendre sur lui, mec? C'est à toi, mon Damien, ou c'est à toi, mon Batum, putain. Allez, putain, ça me fait rager, les amis. Ça me fait rager. Non, je te. C'est incroyable. Non! Mais t'es sérieux? Mais même moi, je fais des passes de merde. Oh là 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 là. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Là 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 là! Cette défense, elle est incroyable! Cette défense que nous font les Rockets, là, c'est incroyable, les amis! Putain, là 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 là! Le retour en zone, voilà, on récupère! C'est incroyable! 16 points de retard, les amis! Même moi, je me mets à mettre des ballons totalement nul à chier! Oh là là, c'est chaud, les gars! C'est chaud, les gars! C'est chaud, chaud, chaud! Faut qu'on se rattrape, pourtant, on avait bien commencé le match! On avait vraiment, vraiment bien commencé, faut qu'on se rattrape. Voilà, le petit passe décisif. Allez, 14 points de retard, les amis. 14 points de retard, c'est ouf. Comment on a pu s'en prendre autant d'un coup? On s'est pris un 8 ou... Enfin, je sais pas, mais faut que je regarde ça après, à la fin du match. Mais ce troisième carton est carrément, carrément nul à chier. Bon, bonne défense de Lopez pour le moment, les amis. Allez, faut qu'on continue comme ça. Je suis tout seul, mon gars. Bon, j'étais tout seul. Qu'est-ce que tu fais, Nico? Mais non, mais lui, il est mauvais aux 3 points. Bon, il le met. Mais d'habitude, il est mauvais. Bon, tu m'as fait mentir. Ça fait plaisir.
Ça fait du bien parfois de se faire, voilà, d'être menti comme ça. J'essaie d'intercepter, ça marche pas. Voilà, oh, dommage. Je croyais qu'on l'avait, les amis. Oh là là, ce tir, voilà, bien joué le rebond. Tu m'as vu, gros, tu m'as vu. Voilà, allez, la contre-attaque, les gars. La contre-attaque, toi, je te mets dans le vent, mon gars. Toi, je te mets dans le vent. Hop, voilà, comme ça. Et allez, mon gars, ça rentre, ça. Voilà, on revient à 9 points, les amis. Allez, les gars, faut qu'on continue comme ça. On est bien, on est bien. Faut qu'on reste là, on met un petit 6-0, même plus que ça, on met un 7-0, les amis. Faut qu'on continue. Faut qu'on continue. Ok. Allez. 60 à 51, 23 points, 4 bons, 3 passes décisives pour nous, les amis. Faudrait que je plante un petit peu de tir à 3 points. Faut qu'on continue. Continuez, les potes, à m'étonner. C'est, voilà, je ne demande que de ça. J'essaie d'intercepter. Non, il y va, il va tirer. T'as, comment il peut. Voilà, c'est bon, j'ai le rebond. Allez, contre-attaque, les amis. Faut pas qu'on les loupe maintenant. On n'a pas le droit de louper. On n'a pas le droit de louper. Allez, hop, je prends mon temps. Je prends mon temps. Voilà, bien joué l'écran. Je t'ai vu là-bas, mon petit Macoulum. Tu tires. Non, pas du tout. Ok, bon, c'est bien. C'est bien, mon gars, c'est bien. Tu sais le contrôler. Voilà, bien joué. Et moi, j'y vais. Oh, calme. Oh là 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 là, est-ce que j'ai loupé? Non, mais est-ce que j'ai loupé, les gars? Oh là 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 là, mais j'allais faire le dunk de l'année, quoi. Oh là là, mais je me suis fait contrer, mais comme une merde. Oh là là, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Allez, faut pas que, voilà, faut pas que je me laisse influencer par tir loupé et que je, voilà. Oh là là, ça fait chier. Yopen, ils mettent un petit panier. Faut pas que je me laisse influencer par ce petit tir loupé. Faut que je reste bien. En tout cas, Harden fait un bon petit troisième carton. C'est clair, net. Hop, si je pouvais te mettre dans le vent, mais j'arrive jamais à le mettre dans le vent, ce joueur. C'est ouf. Et j'y vais quand même, maintenant. Mais non. Oh là 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 là, mais je me fais contrer tous mes tirs. Oh là 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 là, et puis voilà, ça repart, les amis. Oh mon dieu. Je suis maudit, les amis. Je suis totalement maudit, c'est incroyablement incroyable, les amis. 65 à 51, mais sérieux, mais je parlais de respect, mais oui, où est le respect pour nous, les amis? Où est le respect? Voilà, tu m'as vu là. Oh là 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 là. Allez, la marque, je te demande un écran, voilà, bien comme il faut, comme as, voilà. Et là, j'y vais, mon gars, je vais te dunker sur la gueule. Allez, le dunk. Allez, mon gars, il est ni lâché, mais voilà. Doucement, mais sûrement, je dis, les gars. À mon avis, on s'est arrêté. Voilà, faut qu'on prenne un petit peu de vitesse, les amis. Allez, 12 points de retard, quoi. 12 fucking points de retard. Faut défendre, les mecs. Il faut défendre. Voilà, interception de la Marcus. Allez, vas-y, mon pote. Vas-y, mon gars. Vas-y, mon gars. Non, il a décidé de me la mettre. J'y vais quand même. Voilà. Et j'ai fait tomber James Harden. Ça fait toujours plaisir. 10 points de retard. 10 points de retard. C'est clair et net, les amis. Il n'y a rien qui est fait. Je sais que mon équipe. On est prêt à tout, les amis. On est prêt à tout. On reviendra dans ce match. Je peux vous le je peux vous le promettre, les amis. C'est clair, net et précis. Maintenant, si j'arrive pas, mais voilà, non, si, non, il n'y a pas de si. J'ai pas envie de si. S'il y a un si, après il y a un do, je suis obligé de faire de la musique. Oh, calme. Allez, voilà, la petite faute, Tarisa, petit passage en force. C'est bien là, c'est bien ce que fait l'équipe. On se reprend un petit peu, ça fait du bien. C'est non, mais pourquoi tu me sors, coach? Non. Pourquoi tu me sors au moment les plus importants du match? Bon, après, il veut peut-être me. Voilà, me garder pour le reste. Pour le reste du match. Bon, ils sont revenus un petit peu 65 à 58. Ce serait bien qu'ils mettent ce panier là, les amis. Comme ça, voilà, il me ferait encore mentir. Ça serait super. Allez, Batum, mets-le ton panier. Mets-le ton fucking panier. Fais pas un tir forcé. Et tu mets ton panier. Oh là, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Il a la faute ou pas? Ouais, il a la. Il a la faute ou pas? Je sais pas s'il a la faute parce qu'il est resté une demi-heure sur le plancher à faire une sieste. Non, non, il a pas la faute. Bah ouais, Batum, enfin, il est la rue, les gars. Après, c'est vrai que dans le jeu, Batum, son niveau est vraiment est quand même moyen, quoi. Il n'y a rien à dire sur NBA 2K, le niveau de Batum est quand même assez moyen. Je crois qu'il doit avoir 75-76 de moyenne générale, ce qui est vraiment bas quand même sur ce jeu. Allez, voilà, chope le rebond, non, c'est mort, mon gars, Flalo, je ne donnerai pas le ballon. Sur le jeu, t'es encore plus nul qu'en réalité. Allez, hop, je te la mets à gauche. Putain, mais comment je clash les coéquipiers, quoi. Comment je clash les coéquipiers. Allez, faut que je le mette dans le vent. Il reste 6 secondes, les amis. Il reste 6 secondes. Faut que je le planche, les amis. Voilà. Allez, qu'est-ce que tu vas faire? 5 points de retard, les amis. Tire à la dernière seconde. 2 secondes, 5 pour toi, mon ami. C'est cadeau. Allez, hop. Et en plus, je vais te faire chier à sauter au moment. S'il le met, mon gars, c'est bon. Allez, les amis, c'est la fin du troisième carton. On a fait un début de troisième carton, mais incroyablement nul à chier. C'est l'un des pires troisième cartons qu'on ait pu faire de notre grande carrière de basket. En tout cas, les amis, 5 points de retard dans ce quatrième carton. Rien n'est fait. 29 points, 6 rebonds, 3 passes décisives pour ma part. Donc, on a moyen de, voilà, on a moyen de revenir. Bon, 7 points de retard maintenant. Dû à une défense qui a monné lâchée à cause de moi. J'ai mal défendu sur James Harden. Du coup, LaMarcus a voulu aller sur. Aller combler le manque que je faisais. Et du coup, ça fait une faute de défense, quoi. Allez, hop, voilà, je te mets derrière. Damien, t'as le temps et tu le plantes, s'il te plaît. Voilà, c'est bien. Allez, 67-62, les amis, 5 points de retard. Voilà, faut qu'on tourne autour de ces 5 points maintenant. Faut qu'on tourne autour. Qu'on les grappille petit à petit, mais surtout pas qu'on les perde. Maximum 7 points, mais faut, voilà, c'est important. C'est le quatrième carton, on n'a plus que 7 minutes 20 maintenant pour revenir.
Et on n'a pas le droit, quoi. On n'a pas le droit. Nous, on joue le titre. Et c'est des matchs comme ça qu'on va avoir le droit pendant le titre. Donc, on n'a pas le choix. Je vous l'ai dit, les amis. Hein. Je vous l'ai dit. Allez, James Harden, tu passeras pas. Faut que je défende sur toi. Comme un tug, les amis. Voilà, je défends, je défends, je défends. Il va sauter. Je saute aussi. Et il a loupe. Voilà, ça, c'est une bonne défense, les amis. Ça, c'est une bonne défense. Ok, hop, je prends mon temps. Je vais la perdre, je vais la perdre, je vais la perdre. Allez, hop, je prends mon temps. Ah, mais je suis concentré, mais d'un point totalement phénoménal, les amis. C'est incroyable en mode, mais vraiment un truc de ouf. Allez, Batum, il est tout seul. Tire pas, les, tire pas. Voilà, c'est bien. Hop, tu la remets à droite, Mathieu. Il la tire. Est-ce que tu vas la mettre? Non, c'est dommage. J'étais à deux doigts de parier comme que tu la mettrais, mon ami, mais c'est dommage, c'est dommage. Ok, hop, je défends. Voilà l'interception! Mais c'est qui le papa? Alors, c'était une interception absolument pas, voilà, absolument pas voulu. En tout cas, je l'ai faite. Vous avez vu, les amis, je temporise. Voilà, tu me la remets à gauche. Là, ça c'est bien joué. Ah, dommage. Hop, du coup, il doit être tout seul à droite. Vas-y, tranquille. Ah, c'est dommage. Ah, c'est pas ça qui devait se passer, les amis. C'est pas ça qui devait se passer. Allez, il me reste 6 secondes. Il me reste 6 secondes, les amis. Je suis obligé d'y aller. Et voilà, c'est du tir forcé, tout ça. Ah là là, belle défense encore, les amis. Il nous force à aller au bout de 9,4 secondes à faire, à faire des tirs forcés. Voilà, franchement, très très bonne défense. Oh, le poussin, mais la Marcus, merde. Oh là là, mais non. Je l'avais dit, mec, pas plus de 7, on a 8, quoi. Non, voilà, c'est bon. Bon, ok. Respect, respect, respect. Toi, je te mets dans le vent, mon gars. Hop, voilà, hop. Bon, ben, je suis tout seul, écoute. Je suis tranquille, hein. Non! Mais comment je peux louper ça? Les mecs, mais je vous jure, je vais déprimer, quoi. Je vais être déprimé. Je loupe des tirs faciles, quoi. Je loupe des tirs absolument hyper faciles. Là, c'est le moment d'intercepter, les gars. C'est le moment d'intercepter, les gars. Ah là là, la faute de Mathieu. Bon, je vois pas ce qu'il aura fait de plus, hein. Mathieu a mal 90, doit être au de te mettre 60. Donc, s'il te plaît, il y a pas grand-chose à faire. Bon, il loupe le premier. Si tu pouvais louper le deuxième, on pêche le rebond, ça serait franchement super sympathique. Ça serait franchement super sympathique. Bon, voilà, il a loupé, on a le rebond. La contre-attaque. Ah, mais non. Non, 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 mais les gars, quoi, ça sert à rien de prendre le rebond si c'est comme ça, quoi. C'est, ok, je fais une passe que je demande un peu forcée. Mais voilà, Damien, lui, il me l'aurait mis, quoi. Ah, je crois que je continue de défendre. Faut que je continue de défendre bien. Voilà, j'essaie de l'intercepter, ça marche pas. Il tire à 3 points, faut pas qu'il les mette, les gars. Oh là 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 là, mais non. Non, 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 mais mec, c'est tir à 3 points qui nous mettent, c'est incroyable, quoi. 10 points de retard, les amis, 10 points de retard, ils reviennent. Ils reviennent encore, ils reprennent encore un peu d'avance. Non, mais pourquoi il me sort, le coach? Pourquoi le coach, il me sort? Sérieux? Pourquoi, coach? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? D'habitude, tu me fais jouer toute la fin du 4ème quart-temps, mec. 72-64, 8 points de retard, il va mettre son tir à 3 points, il aura 11 points de retard, tu vas voir. Allez, faut défendre, les amis, faut défendre. Voilà, Jones, il met sur Harden, les amis. Allez, faut que j'aille de dire, les amis, hein, putain. Voilà, mais défendez, les gars. En plus, c'est pas forcément très frais ce qu'ils font. Voilà, et puis ils veulent le pas. Oh là 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 là. C'est bon, allez, je rentre, les amis. Le papa, il rentre. Le papa, il rentre. Le papa, il rentre, les potes. Allez, 72-64, les amis, 8 points de retard. Il reste 4 minutes 50 dans ce match. C'est. Voilà là. Ça va être tendu, mais les mecs, putain, allez, quoi, à nous de l'enflammer, ce match. À nous de l'enflammer, ce match. Mais j'avoue que James Harden, il me donne beaucoup, beaucoup de fil à retordre. C'est un truc de fou. Allez, tout seul à droite, il tire et plante-le, mon ami. Voilà, ça, c'est bon, mon gars, un petit tir à 3 points, c'est ce qu'on a besoin. C'est vraiment ce qu'on a besoin. Allez, on retourne aux 5 points de retard. C'est ouf, hein, parce que quand vous perdez, enfin, moi, perso, quand je perds, c'est vraiment pas vous, mais je suis toujours en train de compter mon nombre de points de retard. C'est incroyable. Allez, 72-67, 5 points. Voilà, bel écran de Jones. Ah là là, il va me niquer, il va me niquer. Voilà, c'est. J'étais sûr, l'écran a tout fait. Il m'a niqué avec l'écran. En plus, moi, je suis pas un passeur d'écran, donc. Du coup, c'est un peu baisé. Allez, 7 points de retard, les amis. Tu m'as vu. Voilà, je sais, je fais des appels de passe vraiment très importants. Mais j'ai vraiment envie de le gagner, ce match. Je t'ai vu. Voilà, hop. Ah, fallait tirer, quoi. Fallait tirer. Hop, allez, j'y vais tranquille. Je te fais un petit drip qui va bien. Il va m'intercepter. Ah, c'est bon. Oh là là, cette contentation incroyable que j'ai. Et j'y vais, les gars, Non! Le passage en force! Le passage en force! Mais t'es pas sérieux! Mais t'es pas sérieux, quoi! Oh là là! Non, 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 non! Oh là là, non, 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 non! Comment il a pu faire ça, quoi? J'allais sauter par-dessus 3 bonhommes! Comment il a pu faire ça? Mais cette défense est surhumaine, les amis! C'est pas possible! Cette défense est incroyable, quoi! Bon, faut savoir, je ne rage pas, je suis juste chaud. Voilà, c'est ce qu'on dit dans le jargon, quoi. C'est incroyable, cette défense, quoi. Oh là 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 là, mais une défense, mais. Waouh!
Waouh, c'est... Je suis sûr qu'en vrai, ils sortent leur meilleur match de toute la saison, quoi. Ils sortent leur meilleur match de toute la saison, c'est pas possible. C'est pas possible, les amis, c'est incroyable. Et moi, je loupe tous mes tirs, évidemment. C'est un tir forcé, mais justement, je suis spécialiste aussi de ce genre de tir, alors. Et un verdict, hein, je suis vraiment, vraiment spécialiste dans ce genre de tir. Alors, en tout cas, 9 points de retard, il reste 3 minutes de retard, ouais, mais... Ça risque d'être compliqué, les amis, alors, moi, je vous le dis tout de suite. Ça risque d'être compliqué, je ne suis pas défaitiste, mais ça risque d'être compliqué. Bon, je suis tout seul, il défend encore bien, et je loupe encore, quoi. C'est bon, il le plante un petit dunk et il a plus de ça ou pas? Non, pas du tout. Allez, les amis, 7 points de retard. 7 points de retard, 3 minutes pour le faire. Vous l'avez vu, c'est pas que je désespère à faire des tirs à 3 points, mais je sais que c'est la chose qui peut faire la différence. C'est vraiment la chose qui peut faire la différence dans cette fin de match. On a besoin d'en enchaîner 2-3, on n'a pas le choix si on veut revenir maintenant. J'essaie de me défendre, l'interception, non, pas du tout. Allez, James Harden, faut pas que je me les fasse baiser par joueur. Allez, il essaie d'y aller, je saute. Ah, et puis la faute de Lopez, mais il n'y a pas le plus 1, tout va bien. Il n'y a pas le plus 1, tout va bien. Allez, 29 points, 6 rebonds, 5 passes décisives pour ma part. Je suis, voilà, j'étais très précis au premier et deuxième carton, mais à notre deuxième, voilà. En fait, c'est vraiment notre deuxième mi-temps qui a un peu nul à chier, quoi. C'est vraiment notre deuxième mi-temps qui est pas terrible du tout. Donc, on va bien voir ce qu'on va faire. Allez, Damien Lillard, tu m'as vu là, au calme. Là, faut vraiment qu'on fasse quelque chose de mieux. Pour le moment, je suis pas satisfait du match, les gars. Hop, il est tout seul. Non, c'était pas pour lui, quoi. Allez, là, tu m'as vu. Les gars, faites-moi un bloc. Faites-moi un bloc défensif. Et moi, je tire derrière et je les plante, mon ami. Comme... Oh, non. Allez, 29 points. Je suis carrément pas dans le match, les amis. Mon bonhomme, je sais pas ce qu'il a, parce qu'en toute honnêteté, franchement, je plante un nombre incroyable de points comme ça habituellement. Ouais, et puis la défense. Oh là 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 là. Mais non, les amis. Mais non. Mais c'est quoi cette défense de merde? C'est limite rageant. Voilà, là, ça devient... Je suis chaud, mais ça devient une limite de rage, les amis. Je vous l'avoue maintenant. Je vous l'avoue. Ça devient une limite de rage. Voilà, ça, c'est du beau. Voilà, ça, c'est du beau. Allez, 80-71. La belle petite passe, 29, 6 rebonds, 6 passes décisives. Mais ça devient rageant, 10 points de retard. 10 points de retard, les amis. Faut qu'on enchaîne les tirs à 3 points, on n'a pas le choix. Et mon bonhomme, je sais pas ce qu'il a. Il a dû faire la teuf hier aussi. Il a dû faire la teuf, je sais pas. En même temps, quand tu vois cette défense de malade des Houston Rockets, c'est incroyable. Hop, oh là, puis regardez, oh là 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 là. Regardez ce bloc. Je n'ai rien pu faire. Hein. En toute honnêteté, je n'ai rien pu faire, les amis. J'ai voulu aller défendre sur James Harden et voilà, le petit écran qui va bien, mon bonhomme s'est même cassé la gueule comme une grosse merde. Ah, c'est compliqué les gars, je pense que c'est mort. On est tombé face à une équipe de Houston Rockets qui est juste incroyable. Même Damien Lillard loupe tous ses tirs faciles. C'est chaud les gars, c'est chaud. Voilà, le petit contre, respecte-moi, au calme. Je ne gueule même pas, ça me paraît tout à fait normal, je sais que ça marche pas. Allez les gars, on peut. Faut enchaîner du tir à 3 points, c'est ça? Oh là, mais même moi... Non. Oh mon dieu. C'est pas possible, c'est impossible. Je crois que je n'ai absolument jamais gagné contre les Rockets encore. Dans ce jeu, je n'ai jamais réussi à gagner contre les Rockets. Il est juste incroyable, ce jeu. Il est juste incroyable, les mecs. C'est waouh, quoi. C'est juste waouh, quoi. Allez, 31 points, 14 sur 25. Ouais, ma deuxième mi-temps a carrément dû lâcher. C'est juste le mot. Allez, James Harden, faut pas que je le fasse passer, les gars. Il reste 1 minute 20, c'est la minute qui va déterminer un petit peu du, voilà, du reste, on va dire. Faut que j'essaie d'intercepter, non, il va pas faire la passe, pas du tout. Il met sur Ariza, les gars, faut défendre. C'est la défense, c'est la base dans ce jeu, c'est la base. Ah là là, puis demain quand même, mais Batum où tu es, quoi. Batum où tu es transparent lors de ce match, toi aussi. Ah putain, mais t'es pire que de l'eau, quoi. Allez, 89-73, je m'en ai un écran, au calme, j'y vais, mon gars. Et on sauve le dunk. Allez, on sauve l'honneur un petit peu. Il reste 57 secondes, les amis. C'est mort maintenant. 33 points, 6 rebonds, 6 passes décisives. J'avais vraiment commencé le match sur les chapeaux de roue. Mais vraiment un truc de fou. Et vraiment, je le finis ridiculement, quoi. Bon, le petit tir à 3 points qui va bien. Mais je le finis vraiment. Je suis pas satisfait, même si là, je commence à t'enchaîner quelques points. Mais c'est trop tard, les gars. C'est trop tard. C'est trop tard maintenant pour mettre les paniers. Allez, 89-78. Jones with the screen. Oh là 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 là, faut que je défende encore un petit peu, voilà, faut sauver l'honneur, l'interception. On enchaîne les interceptions seulement maintenant, quoi. Tu m'as vu, voilà, hop, il met sur. Non, c'est du tir forcé, quoi. C'est du tir forcé, mec. Tu me la mettais à gauche, je faisais un petit cross à James Harden, je le faisais tomber, un petit peu comme Chris Paul cette année, et derrière, je plantais, quoi. Le petit tir à 3 points, et on venait, quoi. C'est vrai, non. Notre défense est... En fait, les joueurs à la rue, moi, lors du deuxième lors de la deuxième mi-temps, j'ai été un petit peu à la rue parfois en défense.
Et ouais, c'est vraiment pas un match à garder dans les annales. Mais là, c'est plutôt anal, ouais, ce qu'ils nous ont fait, quoi. C'est un truc de fou. Bon, en tout cas, les amis, c'est la fin du match. Je suis déçu quand même. 91 à 78, on s'est pris une belle petite leçon de tir à 3 points. C'est aussi simple que ça, c'est une leçon de tir à 3 points. C'est vraiment un truc de fou. Et puis peut-être une petite leçon de défense aussi. Hein. Au niveau du tir à 3 points, James Harden, là, sur la fin de match, on a enchaîné sur la gueule un nombre assez incroyable. C'est vraiment un truc de fou. Après, au niveau de la défense, c'est ouf. Voilà, il y a rien à dire, c'est totalement ouf à quel point ils m'ont vraiment bloqué. Ils m'ont bloqué, mais d'une force assez incroyable. J'étais contré plusieurs fois sur les dunks. Et, ouais, ils ont fait vraiment... Voilà. On va dire que les Houston Rockets étaient clairement au-dessus de nous lors de ce match. Ils ont fait un match de ouf. Moi, je fais quand même un match excellent. Regardez, 1194 points. Je fais quand même un très très bon match. Plus de points que James Harden quand même. Mais voilà, on va voir un petit peu les résumés du score. Donc sur... Où je peux voir ça? Où je peux voir ça, les amis? Feuille de match, non. La comparaison d'équipe. Voilà, premier carton, 22-22, les amis. Deuxième carton, ils nous mettent un 27-18. Troisième carton, ils nous mettent un 49-40. Et regardez, après, il y a juste le quatrième carton. On est remonté un petit peu dans la fin, on leur met un... voilà, on leur met un 18... Non, ils nous mettent un 26-18. Là, on leur met dans le troisième carton un 20-16. On s'est fait exploser, les amis. On s'est fait exploser. En tout cas, les potos, c'était pas. J'espère vraiment que ce gameplay vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes si ça vous a plu. Si vous voulez toujours voir le All-Star Game, n'hésitez pas à lâcher des commentaires pour me conseiller. N'hésitez pas, si vous voulez acheter vos jeux moins chers, d'aller sur le lien dans la description. Franchement, les jeux sont carrément moins chers. Il y a des bêtes de promo en ce moment. Et moi, qu'est-ce que j'y gagne? Ben, j'y gagne des jeux tout simplement. Ils m'offrent des clés. Ce qui me permet de pouvoir faire des gameplays et pouvoir en offrir. Donc, c'est plutôt sympa. Je gagne vraiment pas d'argent en plus. Hein. Enfin, en fait, je gagne à la base une commission. Mais j'ai négocié pour tout avoir des jeux à la place qui me semble être plus sympathique. Et puis voilà, en tout cas les mecs, je vous fais des gros bisous sur les FFS. On dit à bientôt pour un prochain gameplay. C'est pareil, si vous voulez DMT pas cher, lien dans la description. Voilà, vous avez le million pour 20 euros au cam. Allez, c'était paf, bisous sur les FFS. Et le prochain match, je vous promets, on les éclate. Ok.